Salut tous, c'est Lumière, bienvenue à toutes, nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve, voilà, comme vous avez pu le voir, ça y est, le fond vert a enfin disparu. J'en avais marre, la salle du fond vert, je sais pas si toi aussi t'en as marre, mais en tout cas, le fond vert, c'était chiant, voilà, j'en avais marre, tout le temps d'avoir un truc derrière moi, un fond vert d'ailleurs que je vais montrer qui est juste ici. Voilà, hein, le fond vert, il est là, la salle. Je l'ai pas encore jarté, tu vois, hop, regardez, oh, oh, Elmin, il y a Elmin là, hop, il est plus là, attention, il disparaît. C'est normal que moi je vois rien. Voilà, il n'y a plus d'admin la salle, il n'y a plus d'admin. Et du coup voilà, je vais te montrer un peu, tu me dis ce que t'en penses, la salle du setup, etc. De toute façon on entend ta voix sur le PC. Et voilà, donc c'est parti, je te fais une petite présentation. Vas-y. Fait, tu me dis ce que t'en penses, et ensuite nous on vous montrera avec la cam bien évidemment. On en a un peu plus en détail. T'aimes bien? Alors, ouais, très... Ouais, franchement c'est super beau. Alors, pas, j'aime ça, bien. Donc, j'aime bien les pop. Voilà, j'aime bien. J'aime bien en fait tout ce qui est là. Ça, tu l'as aussi. Le trophée. Le petit logo Rockstar, forcément. Les peluches. Magnifique, magnifique. Ça, je l'ai. Tu l'as, effectivement. Ouais, je l'ai, je l'ai. Ouais, tu l'as aussi celui-là. Voilà. Ouais, je l'ai. Ensuite, on a quoi d'autre? Ça, je pense que tu les as aussi. Ouais, je les ai, ouais. Et le deuxième, du coup, bah là, t'as Spider-Man géant, celui-là, je sais que tu kiffes, le gros Spider-Man. Voilà. Ouais, celui-là, il est magnifique. On a également ici Groot, mais toi, la salle, tu l'as en énorme. Hein. Le Groot de la salle, je peux vous dire que c'est moi qui l'ai offert d'ailleurs pour son anniversaire, il me semble. Je crois que c'était pour Noël, je sais plus, c'était un des deux. Un des deux, mais il est énorme. Celui-là, je l'ai jamais jarté de mon setup, ça, je l'ai depuis 2015, je crois. Les deux, là. Ah oui, pas mal. Ouais, c'est stylé, le truc Fortnite. Voilà. Ouais, tu kiffes. Tu kiffes, tu kiffes. Ce genre de figurine. Est-ce que tu valides la salle? Ouais, je valide et... Mais par contre, je n'entendais rien à ce que tu disais. Hein. Donc je sais même pas ce que tu as dit. Hein. Bah, c'est vrai que ça change du fond vert. Et puis, ouais, non, moi j'aime bien. C'est mieux des petites décos comme ça. Ouais, parce que le fond vert, j'en avais pas. Par contre, là, le câble, tu vois, on le voit juste en dessous. Mais en fait, c'est parce que je vous ai pas montré. Mais attends, je te montre. Ah, je peux... Ah oui, je vois trop bien. Choisir ma lumière. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mettre ce que je veux. Là, c'est jaune. Je sais pas si tu vois un peu. Ah oui, je vois très bien. Hein, la violet. Tu as coupé la caméra, je vois super bien. Jaune, rouge, tu vois. Le mec a coupé la caméra, je ne vois rien. Exemple, mais bon. Je peux te mettre quoi? Je peux te mettre, incroyable. Je peux te mettre aussi, tu vois, genre comme si on était en boîte de nuit, la salle. Attends, je vais te faire incroyable. Ça tout de suite. Il s'enjaille tout seul. Boîte de nuit, là, regarde. Tu vois, je ça... vois rien du tout, j'ai pas la caméra, donc. Voilà, regarde. Je sais pas de quoi il parle. Ouais, vraiment en boîte de nuit, tu vois, ça fait tout, 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 tout. Mais pourquoi pas, on va le laisser parler. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est le rouge. Tu vois, parce que je trouve que ça fait bien. Voilà, donc du coup, moi, je mets rouge. En tout cas, voilà. Du coup, on est parti pour la présentation, nous, de notre côté, de plus en détail. Donc, c'est parti. Ok, les gars, du coup, on est parti pour la présentation du setup plus en détail, puisque vous avez eu la salle au début. Et du coup, tu peux venir ici, on va présenter tout d'abord, avant de présenter le PC, le premier côté. Donc, le premier côté, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici... ce petit côté Marvel avec notamment ici, tu peux venir, approche-toi, n'aie pas peur. Hulkbuster, voilà, ici. Marvel que je peux allumer, je vais vous montrer ça donne quoi quand on l'allume. Voilà, là il est allumé, mais ça se voit pas trop parce qu'il fait, tu vois, il fait jour. Bah, tu peux éteindre la lumière. Faut que j'éteigne la lumière. Bah, on l'éteindra après à la fin, on montrera dans le noir comme ça, tu vois, on peut mettre aussi même le. Bah, là, ça se voit, je pense. Ouais, ça se voit. Voilà. Voilà, on a Groot en petit, il y a son confrère là-bas qu'on montrera après. Ici, on a Deadpool. Ici, Iron Man, Spider-Man, Batman, voilà. En dessous, on a du Red Dead Redemption, on a du GTA, on a Batman encore une fois. C'est un peu tout ce qu'on va retrouver de toute façon dans le setup là. Je kiffe Batman, je kiffe Iron Man, je kiffe Spider-Man. En fait, c'est tout mon univers. Donc là, vous avez Tibers, la petite peluche dans League of Legends. Ici, nous avons Timo Lapin, le skin. Red Dead Redemption, la boîte GTA. Donc ça, c'est le pack GTA 5 PS3. Ici on a encore du League of Legends. Ensuite on a encore un petit étage en bas. Tu veux venir montrer? Donc en dessous on a encore du League of Legends. C'est Gnar, ouais, c'est Gnar. Life Evander sur GTA 5, le petit tapis de souris. On a encore des petites figurines. Donc voilà, ce sont vraiment des basiques. C'est pour ça que je les ai mis en bas. Et on a les deux petits volumes de musique de... En fait c'est les musiques de GTA 5. Pour ceux qui ont des vinyles, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a le petit coffre. Eh oui, le petit coffre Red Dead Redemption 2. Donc ça, c'était le pack collector de Red Dead Redemption 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Spider-Man.
en petit, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, j'ai envie de dire. On a. Ah, ça, je kiffe ça. Des fois, j'aime bien, je fais ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien, je me pousse dessus. Donc, on a Spider-Man, Spider-Man. Et on a quoi d'autre, les gars? On a à côté le deuxième, tu peux venir, tu peux t'approcher. Le deuxième armoire. Donc là, on retrouve tout en haut Groot. Donc, c'était le petit là-bas en grand. Avec le Rockstar. Donc, ça, c'est Red Dead Redemption sur la boîte collector. Ça, c'est Rockstar qui nous avait envoyé en cadeau. D'ailleurs, Rockstar n'hésitait pas à renvoyer encore des cadeaux. Rockstar nous a même envoyé des cadeaux. Et du coup, ils nous avaient envoyé ça avec la salle. Donc, c'était une bougie Red Dead. C'était un pack spécial pour les youtubeurs. Et on a aussi la petite dynamite. Alors, ça, je kiffe. Ça, c'est vraiment le meilleur truc que je kiffe. Voilà. De ce qu'ils nous ont envoyé. C'est une dynamite, en fait. Ouais. C'est quoi les clés, là? Les clés, là, tu voulais montrer les clés? Ouais. C'est. Grand Theft Auto 4. Le pack collector de Grand Theft Auto 4. Voilà, c'était à l'époque, hein, ça date. Hein. Alors, on a quoi d'autre? On a Fortnite, ici. Ici, on a Batman version Hall of Justice. La Batmobile. Que j'ai depuis 2015, qui est toujours en bon état. Pas cassé, rien du tout. Toujours en bon état. Encore Groot. En dessous, on a la boîte de Salaba, que j'ai montré avant. Cyberpunk, donc ça c'était eux qui me l'avaient donné. J'avais été invité à la Gamescom en 2018 et du coup ils m'avaient offert ça pour c'était voilà, ils m'avaient invité spécialement dans leur event. Ils avaient offert à tous les youtubeurs ça. Donc, voilà, ça je pense que personne l'a déjà vu. Elle est vraiment belle, Cyberpunk. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est une figurine de Watch Dog, il me semble. Je sais plus c'est quoi comme jeu ça. Watch Dog. Hein. Moi, je crois que c'est Watch Dog. Et c'était Ubisoft qui l'avait envoyé en cadeau aussi. Voilà. Et ici, on a Batman. Ok, on passe les gars au côté tout simplement un peu plus sympathique. C'est quoi là? C'est quoi le côté là? C'est le côté setup. Donc c'est là où je fais mes vidéos, etc. D'abord, on va montrer le siège qui m'a été fait par Kurchos. Donc le siège spécial ennemi. Tu peux montrer bien. Approche-toi. Donc qui a été mon logo qui a été... mis ici, c'est magnifique, je kiffe. Voilà, c'est le siège là. Et à côté, on a mon ancien siège qui est de 2015, qui est vraiment en mauvais état, très très mauvais état. Parce que ici il s'abîme. Et honnêtement, il est un peu dégueulasse. Alors ici, on a la PS5, voilà, PlayStation 5, avec deux manettes. Voilà, j'en ai une troisième, mais je l'utilise jamais. J'ai une troisième manette, donc c'est une manette noire que la salle m'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, ici bah, en fait on a tout ce qui est côté PS4, donc on va l'allumer d'ailleurs au passage. Hop, c'est plutôt sympathique, voilà, on va l'allumer. Et ici on a le PC, donc c'est là où je, tout simplement, en gros, je gère tout ce qui est live, etc. Donc voilà, t'as le Stream Deck au passage. Je peux venir t'approcher, n'aie pas peur du tout de t'approcher, parce que je vois tu t'écartes de plus en plus. On a le Stream Deck, donc tu peux le voir ici, t'as le début du live, etc. Bah je vais montrer. Donc là t'as le début du live, tu vois, t'as hop, 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 fin du live, etc. Là t'as live de caméra, caméra de jeu. Enfin voilà, t'as plein de trucs ici, t'as mes sons, activer, désactiver caméra. Caméra ici, donc c'est la caméra avec laquelle je live. Ici t'as mon micro. Voilà, t'as les haut-parleurs, parce que des fois que je vais même poser dans le setup, regarder des films. Voilà. Et forcément, hein, j'ai envie de dire ici, t'as la PS, hein, voilà, le menu PS5 avec tous les jeux auxquels je joue. De toute façon, je joue qu'au jeu là, hein. Les autres je joue pas du tout. Voilà. Et le petit clavier Alienware, le PC Alienware. Donc là, c'est là où je mets mon chat des lives. J'aime bien. Donc ces petits PC Alienware avec tout ce qui est chat, etc. On a quoi d'autre? La souris que j'utilise depuis très longtemps aussi. Le casque de la PS5, hein, qui est plutôt pas mal aussi. J'aime bien. Voilà. Et puis ici, nous avons les deux Keylights, pareil, qui ont été envoyés par Alligator. Par Elgato, c'est Elgato. D'ailleurs, ils m'ont envoyé tout, hein. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont envoyé ça, ils m'ont envoyé aussi le game capture qui est en bas qu'on voit pas malheureusement. La clé USB. Et voilà. Et en dernier, on a la tour. Attends, je vais la montrer. Et ici, vous avez ma petite tour. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Voilà à quoi elle ressemble pour ceux qui veulent savoir comment elle est ma tour. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alien, un petit mot à dire.